Et puis, on vous a déjà demandé de faire de la pub? Oui. Comment tu sais ça, toi? On essaye de se renseigner un minimum. Ouais, ben, en fait, c'est moi qui lui ai dit, mais on fait semblant, tu vois. Forcément, quand t'as bu 2-3 cafés, tu dis beaucoup de choses, donc... Il fait genre le mec qui sait tout, mais... Moi, j'ai dit, c'est Gendy, c'est qui déjà? C'est lequel des barons? Non, on m'a appelé pour une marque de chips belge qui commence par L et qui termine par S. Voilà. Littles. Et ils m'ont appelé pour être l'égérie des chips, quoi. Tu vois, il y a des gens qui font L'Oréal et moi, je fais les chips. Donc je me dis, pourquoi pas, un peu de pognon, peut-être que j'aurais plus besoin d'aller à l'Orbem et tout ça, tu vois. Mais c'est cool. Et je reçois le script et en fait, c'est le nouveau parfum des chips, c'est le chips goût pita. Et je lis le truc, je dis, mais tiens, pourquoi goût pita? J'appelle mon agent et tout ça, machin. Puis on me dit, en fait, on a besoin d'un acteur d'origine turque, parce que les Turcs mangent de la pita, et donc ça serait logique que toi, Mourad, hein? Parce que t'es turc, alors tu vas manger. Mais je dis, mais moi, je suis d'origine marocaine, je ne suis pas turc. Et donc, c'est ce genre de choses que. Si on résume... L'absurdité belge, ça existe vraiment, en fait.